bonjour, bonsoir à ou même qui a regardé vidéo ça. Merci parce que vous êtes connecté avec nous. Jeudi à nous porter une autre vidéo pour vous, qui est basée sur la vie artiste là, qui c'est Rihanna. Eh bien, nous connaissons que Rihanna c'est une artiste qui fait parler de lui en pile dans la communauté haïtienne et que la musique lui a fait pas mal de hits dans la société noire. Eh bien, dans la vidéo ça, on a bien chance pour qu'on ait un pile bagage concernant artiste là. Tant que qui bon Rihanna, qui côté était fait, à qui l'a été commencé dans la musique, qui premier musique li et qui côté la vie. Combien petit li gagné, qui est-ce qui marie ou bien ménage li. Mais avant nous continuer, n'a demandé pour abonner à channel nou, activer cloche là. Comme ça, on toujours joindre toutes notifications des vidéos qui fait sortir. Ok, merci en pile parce que tu prends temps pour faire ça. Rihanna qui bon artiste là. Artiste là, vrai nom c'est Robin Rihanna Fenty, que nous tous connaissons sous nom Rihanna. Lycée en chanteuse américaine dans la question R&B. Rihanna fête Saint-Michel à Barbade, et un jour qui était samedi 20 février 1988. Donc, nous allons comprendre année ça, fait Rihanna 32 l'année depuis la vie. Eh bien, Monica Fenty, qui c'est maman Rihanna, c'est une Barbadienne, mais d'origine guyanaise. Et papa, Ronald, qui c'est lui-même tout, un Barbadien. Eh bien, maman et papa sont arrivés divorcés lorsqu'elle était dans l'âge 14 ans. Qui côté Rihanna a vécu? Eh bien, actuellement là, Rihanna a vécu à Londres. Depuis juillet 2019, quand écoutez Rihanna a vécu Hollywood là, est disponible pour le mettre dans la location. Faut nous pas oublier que Rihanna pas seulement un artiste dans la question musique, mais Rihanna est à la fois parolière, actrice, styliste, femme d'affaires, et aussi mannequin, babadienne tout. Selon Ria, qui c'est RIAA, qui signifie Recording Industry Association of America, nous déclarons que Rihanna est un artiste qui compte plus de certification dans la question single. Et c'est le premier artiste dans le monde qui franchit le cap de 100 millions dans la question vente numérique. Dans le pays États-Unis. En même temps, tout, c'est un artiste solo qui veut vendre plus d'X dans le monde. Là, qui compte plus passer 280 millions d'albums et singles depuis l'elle lancée carrière en 2007. Femme dit nous tout, première musique li, qui c'est Pond de Replay, qui atteint deuxième place dans la liste Billboard. Dans la question album, nous sommes capables de dire Rihanna réalisé en total 8 albums dans le studio. Et des albums qui sont remix. Premier album, li, c'était Music of the Sun, qui était largué dans l'année 2005, qui était mélangé en pile tendance, tango, dancehall, reggae et pop. Et deuxième album, li, qui c'est A Girl Like Me, qui était sorti dans l'année 2006, qui était plus influencé dans la tendance R&B. Et troisième album, li, qui c'est Good Girl Gone Bad en 2007. Album, ça a été fait pile hit était paré dans palmarès en pile pays. Après nous venions comme album Rated Air en 2009, Loud en 2010 et en 2011, il sortit album qui est Talk La Talk qui plus basé urbain. Et après nous connaissons un album Une Apology Ethique qui c'est 7e album qui était sorti dans l'année 2012. Et bien album ça était classé en première position dans la question vente dans le pays États-Unis. Et dernier album li, qui s'est sorti dans l'année 2016 qui c'est Anti. Et bien album ça t'est classé en première position dans un pile pays. Dans même année 2012, Rihanna t'est pris prix Nobel pour question monde qui était plus influent dans le monde là. Et prix Nobel ça t'est déclaré par le magazine Time. Selon Forbes, Rihanna c'est une dans le monde qui fait partie du monde qui est plus riche dans le monde là. Et c'est quatrième monde qui est plus puissant dans la question spectacle dans le monde là. En 2012. En juin 2019, yo rive calculer fortune Rihanna égale à 6 millions de dollars.
Et bien sur YouTube, Rihanna compte déjà plus passer 14 milliards de vues et lui fait plus passer 32 millions d'abonnés. En 2013, Billboard te placé en 15e position dans la question meilleur artiste dans le monde. Là. Et dans l'année 2015, il était passé en 13e position comme meilleur artiste dans le monde. Là. Dans l'année 2018, tu étais nommé comme ambassadrice dans Babad qui c'est île origine. Fon Babli et tout, faut nous dire que carrière artiste là, il n'est pas traité comme ça. Carrière artiste là, il était commencé avec un producteur américain qui est Carl Sturken. Et Evan Riggers. Qui Jean Evan te rencontre Rihanna? Et bien c'est pendant monsieur te en vacances dans Caraïbes là, puis monsieur pourtant sous jeune talent ça. Kounya, on nous font entrer dans vie privée artiste là pour nous quelque bagaille. On va le font titre pour taille. Dans l'année 2008, artiste là te rivé remé à Chris Brown que nous tous connaissons qui c'est un rappeur. Mais après une discussion qui était passée entre deux moun sa yo dans le mois de février 2009, Chris Brown lui-même était rêvé frappé Rihanna dans le visage pendant que yo tous les deux t'ap parlé dans une cérémonie de Grammy Awards. Ville vin pidi et puis ville vin on tient ensemble tout mais fon pa oublier tout ça doit permettre les vin pimi vin pi populaire et grâce avec album Rated Erlan qui est sorti dans date 23 novembre 2009 là avec dans même année que Chris Brown lui-même t'est frappé manzea youn musique qui était sur album ça qui c'est Roseanne Roulette classé dans top 10 musique qui fait plus hit dans plusieurs pays dans l'époque là. Après que Chris Brown lui-même t'est arrivé frapper lui, et bien artiste là était condamné pour passer 180 jours côté qu'il t'a fait travaux et dirait général pour question coups et blessures, ça qui t'est rendu séparé depuis l'air. Faut nous dire tout, depuis le bail ça fin passé, artiste là t'est décidé faire un silence dans question relation en ville. Mais dans mois août 2016, pendant MTV Video Awards t'a organisé une activité, et bien Drake même nous connaît qui c'est un rappeur, t'est fait Rihanna déclaration des sales ressentis pour lui. Dans même joie, monsieur rivé embrasser Rihanna sous scène là côté au table joie. Et puis après ça, année passée, dans l'année 2020, ça, dans janvier, Rihanna te remet avec Hassan Jamel, qui est un homme d'affaires saoudien. Après plusieurs années qui ont été remis, ils ont été arrivés séparés. Après 3 ans, ils ont été passés ensemble, ils ont été partagés l'amour. Je dis là, c'est tout ça nous écouter pour nous concernant la vie artiste là. Conscient que nous sommes capables de tout bagaille, mais au moins nous avons tout ça qui est plus important dans la vie artiste là. Je pense que nous connaissons assez de bagaille concernant l'artiste là. Si vous aimez le travail là, je vous demande pour partager, like, faire commentaire et puis rester connecté avec nous. Et pas oublier d'inviter les amis à venir abonner avec Chanel là. Et like page Facebook là.